Nous allons donner 3 minutes à nos participants et par après, nous allons commencer. Welcome. Encore une fois, soyez les bienvenus. Nous allons commencer. And we request that you rename yourself. Nous demandons que vous utilisez votre organisation, s'il vous plaît. Vous pouvez également nous envoyer un message dans le chat. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les envoyer dans le chat. Et bien là, nous allons y répondre. Allumez votre vidéo aussi. Vous avez suffisamment de crédit. Pour nous mettre en contact, collaborer en tant que communauté. S'il vous plaît, veuillez désactiver vos micros à moins qu'on vous accorde la parole. Ceci est pour nous rappeler qu'on est en train d'enregistrer la session. Donc, si vous avez assisté à ces séances, on estime que vous êtes d'accord et vous acceptez que votre voix soit enregistrée. Et si vous voulez avoir le certificat, veuillez remplir le formulaire d'évaluation parce que ça va nous aider à améliorer les sessions. Il y a plusieurs autres règles qui vont vous être projetés, vous allez les lire. Mais on vous demande également de vous inscrire parce que nous partageons un lien. L'un de nous va partager un lien d'inscription. Veuillez vous inscrire afin que nous puissions savoir qui a participé à la session. Nous avons le service d'interprétariat et si vous avez une nouvelle version Zoom, vous devez avoir l'icône en bas de votre écran. Cliquez sur le globe. Vous allez trouver des langues différentes et choisissez la langue de votre préférence. Nous avons le français et l'anglais. Brièvement, ce sont les règles que nous allons suivre. Et permettez-moi maintenant de m'arrêter un petit moment. So at this point, et en ce moment, permettez-moi d'inviter Richard Kajumbula qui va nous présenter l'ordre du jour et puis il va également nous présenter les sujets qui vont être abordés. Richard, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you so much, merci beaucoup. Christine. Bonsoir, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, notre ordre du jour est comme ci-dessous. Nous allons commencer notre séance. Notre séance. Avec une étude de cas, présentation d'une étude de cas. Deliane Etobe Teclera, et je vais vous parler également d'autres choses. Donc, cette étude de cas va être présentée, les collègues vont avoir l'occasion d'en faire les commentaires. Et après, nous allons avoir une présentation didactique par notre expert. Ça va être pratique. Et à un moment donné, elle va nous demander d'allumer nos ordinateurs pour participer à quelques activités. Nous allons avoir une session questions-réponses. Et après, on va voir les annonces. Et puis, nous allons clore la session. Surtout la séance plénière. Le thème d'aujourd'hui. Et renforcement de l'engagement des apprenants et
de leur interaction en se servant du modèle H5P. Alors, quand nous travaillons avec les apprenants, parfois ils s'ennuient s'ils viennent pour lire les textes ou bien ils voient des photos et ils s'en vont. Mais s'ils avaient une méthode de les faire participer, vous pouvez leur donner des tâches, les amener à participer à ces tâches, les amener à interagir en faisant plusieurs activités en ligne, en lisant, en écoutant des audios, en regardant des vidéos. Ils peuvent interagir avec le contenu et cela va renforcer leur apprentissage ainsi que leur expérience. Donc voilà, c'est ça notre sujet aujourd'hui et spécifiquement, nous allons faire cela. Je m'appelle Richard Kadumbla, professeur à l'Université de Makerere et puis coordinateur d'AfroWound session virtuelle. Voilà ce que nous allons couvrir aujourd'hui. À vous, Christine. Merci, Richard. Et je pense que vous allez nous présenter l'intervenant et lui accorder la parole. Merci beaucoup, Christine. Encore une fois, j'ai l'occasion de vous présenter notre intervenant de l'étude des cas. Elle s'appelle Madame Eliane Tecler. Eliane est le responsable de l'enseignement électronique et département en ligne à l'Université catholique de Yaoundé au Cameroun. Et elle a une formation en informatique, mais aussi dans la conception des services en ligne. Elle est responsable des systèmes d'apprentissage en ligne à Yaoundé. Donc, elle est praticienne en enseignement en ligne et quelqu'un qui était et qui est toujours membre de cette communauté. Elle a participé à toutes les sessions que nous avons eues ici. Alors, je vais lui accorder la parole de venir saluer les collègues et par après commencer la présentation. À vous, Eliane. Merci, Richard. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, tout le monde. Je suis Madame Etobe. Comme Richard l'a dit, je travaille à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Je suis responsable du service e-learning et je suis actuellement le chef du projet de conception d'un dispositif de formation à distance pour le CAC. So, can I start sharing? Yes, Mr. Richard. Next. Ce webinaire concerne les outils qui améliorent l'apprentissage à distance. L'Université catholique d'Afrique centrale est une université pontificale. Sous-régionale, créée par la CERAC. En 1991. Elle compte 4 établissements, l'Institut catholique de Yaoundé, l'École des sciences de la santé de Yaoundé, l'École d'ingénieurs à Douala et à Pointe-Noire et l'École d'agronomie à Bangui. Next. En 2020, quand est survenue la pandémie du COVID et le confinement, à l'université, nous avions l'obligation de continuer à former les apprenants
en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Mais les enseignants reproduisaient le style face à face, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas de formation. Et du coup, à la fin de cette formation en ligne, les réactions des enseignants et des apprenants étaient mitigées. On se plaignait de la faible capacité des classes virtuelles à jouer le même rôle que les classes en face à face. Et les étudiants avaient une réelle difficulté à se réapproprier les contenus. Et pour les enseignants, ils se plaignaient de ne pas du tout contrôler la classe. Ils ne savaient pas qui était là, est-ce que les étudiants suivaient. Next. Bon, nous savons tous que l'apprentissage à distance, ou on peut dire la formation à distance d'une manière générale, l'apprenant se réapproprie le contenu des cours en interagissant avec l'enseignant, avec le contenu qui lui est donné, avec les ressources complémentaires que l'enseignant peut apporter, et aussi avec ses autres camarades, dont les autres apprenants. Dans un tel contexte, donc, il y a un besoin réel de trouver l'outil qui permet de favoriser, de faciliter, de permettre toutes ces différentes interactions qui participent à l'apprentissage de l'apprenant. Par exemple, on peut donner une vidéo, l'étudiant commente directement, on fait un quiz, il répond directement. On met une image, il donne le nom. On peut mettre par exemple l'image d'une ville, il donne le nom de la ville directement. Next. La question à laquelle on va essayer de répondre cet après-midi est celle de savoir s'il existe un outil unique qui puisse répondre à tous ces besoins d'interaction de l'apprenant et partant améliorer son apprentissage. Je vous remercie de votre attention. Okay, so thank you so much, Eliane, for that. Merci beaucoup, Eliane, pour cette présentation de l'étude de cas. Et maintenant, je voudrais demander s'il y a un membre de la communauté qui a une question, un problème, ou il sollicite l'éclaircissement afin que Eliane puisse vérifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour compléter Eliane? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu les mêmes expériences qu'Eliane? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des renseignements, des informations pour enrichir ce sujet avant avant d'inviter notre intervenant principal? Vous pouvez lever votre main, désactiver votre micro ou même donner un commentaire sur les interactions dont elle a parlé, parce que c'est très important d'interagir avec les apprenants, parce qu'elle a dit que parfois les apprenants s'ennuient et finissent par s'endormir sur l'ordinateur. Et la plupart du temps, on apprend en faisant des choses. Donc, c'est peut-être important que, bon, en touchant certains ou bien participant activement, proactivement, j'apprends mieux. Je ne sais pas s'il y a des membres qui ont des questions et des commentaires ou bien des points d'éclaircissement pour Hélène ou partager avec elle votre expérience qui est similaire avant de passer à la session suivante de l'expert. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour voir s'il y a quelqu'un qui a un commentaire. Parce qu'en ce qui concerne l'apprentissage en ligne, il y a beaucoup de nouvelles choses qui surgissent. La plupart d'entre nous
Depuis la pandémie de la COVID-19, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises. Donc, si vous avez une idée, veuillez partager cette idée avec nous. Would raise your hand and speak out. Veuillez lever votre main pour partager avec nous votre expérience. Sinon, je pense que tout le monde a compris et que nous partageons le même sentiment par rapport à ce que Hélène vient de présenter concernant l'interactivité du contenu ainsi que les apprenants. Et maintenant, je vais donner la parole à notre expert en matière de contenu de valider cette étude de cas. Je vais la présenter et elle aura le temps de nous parler. Notre expert est Rana Dantasi. Elle est conceptrice de l'informatique, bureau de l'innovation et transformation à l'Université américaine de Beyrouth, c'est-à-dire au Liban. Elle a une vaste expérience en ingénierie, information, conception des modalités pour améliorer l'enseignement. Elle a une vaste expérience dans plusieurs matières. Elle a conçu plus de 50 cours à distance. Elle a l'expérience travaillant avec les petites et moyennes entreprises. Donc, elle est dessinatrice expérimentée. Elle a conçu des cours en ligne et elle a enseigné également en ligne. Donc, elle est la meilleure personne, la personne la meilleure placée pour parler de cet outil. Donc, je vais donner la parole à Rana. Elle va se présenter brièvement et après, elle va valider l'étude de cas qu'Eliane vient de nous présenter. À vous, Rana. Merci, Richard, pour cette présentation. Salut tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Comme Richard vient de vous dire, je suis conceptrice expérimentée et j'ai travaillé avec les membres pour 9 ans pour les aider à améliorer, transformer leurs cours, ainsi qu'améliorer quelques composantes dans leurs cours. Afin que tout soit en conformité avec ce qui doit figurer en ligne. Donc, pour revenir à l'étude des cas présentée par Rian, la plupart du temps, il y a des gens qui demandent que voilà, mes cours en ligne ne marchent pas. Ils se posent la question pourquoi ça ne marche pas. Alors, les formateurs en ligne ne se lancent pas dans le détail de leur contenu. On le fait simplement passer sur l'écran. Pourquoi? Parce que parfois leurs cultures sont rigides ou bien ils n'ont pas le temps pour créer le contenu approprié pour l'environnement en ligne ou même ils ne savent pas se servir de ces outils pour dispenser les cours. Et spécifiquement concernant les cours, la plupart des cours n'ont pas cet élément d'interactivité en ligne. Voilà ce que l'étude des cas a présenté, nous a exposé. Et donc, la solution à cela est ce que vous allez apprendre dans notre atelier aujourd'hui. Je vais partager ma présentation afin que nous puissions commencer. Okay. So, in our presentation, we will build on what was suggested by the case study. Dans notre présentation, nous allons travailler, nous allons construire ce que l'étude des cas
à présenter. Donc, nous allons parler de l'outil H5PER et qui est disponible à tous les membres de la faculté dans tous leurs modules en ligne et ainsi de suite. H5PER a beaucoup de points de vérification alors lors de le contenu est créé au sein de cet outil et puis les produits peuvent être inclus dans l'outil ou utilisés ailleurs. Donc, c'est un bon outil pour l'interaction et ces interactions sont nombreuses et donc vous pouvez choisir ce qui vous convient. Maintenant, nous allons voir quelques caractéristiques. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe afin que vous puissiez avoir l'idée sur ce qui se passe et ce dont je parle. Voilà, c'est ça le site web. Et tout cela, tout ce contenu est disponible. Vous pouvez créer les jeux, vous pouvez créer le contenu et ainsi de suite. Donc, par exemple, vous pouvez créer l'activité accordion qui vous aide à jouer avec le contenu et ainsi de suite. Donc, cela va vous aider à décortiquer votre contenu. The speech speed so that they can be able to listen well and then translate for other colleagues before you transition to another aspect. Yeah. Okay, I will. Thank you. Another example of an interactive. Another example. Des activités interactivité créées. Cet outil, on peut cliquer sur cet outil pour ajouter l'information ou bien écrire les réponses. Cela elle permet de participer de façon proactive. Numéro 3, sur ce que nous allons travailler, c'est la vidéo interactive. C'est un exemple que nous allons voir où les questions sont incluses dans la photo. Donc, je peux jouer cette vidéo et vous allez constater que alors que les apprenants regardent, ils vont trouver des questions. Alors, quand la vidéo arrête, je réponds à la question et je continue. Alors, ces questions sont incluses dans la vidéo. Et puis, cela permet aux apprenants d'évaluer leur apprentissage. L'autre exemple qui peut être créé en se servant de H5P, c'est les images. Et pour les apprenants, ils peuvent cliquer là-dessus pour explorer. Par exemple, dans la biologie, vous pouvez ajouter questions, dictation. Vous pouvez également ajouter les questions d'évaluation, les exercices et ainsi de suite. Ce qui est très bon à cet outil est que ça peut être intégré dans la gestion du système de gestion de l'apprentissage. Et puis, vous pouvez faire le traquage de l'apprentissage des apprenants. Donc, à cause du temps, nous allons nous focaliser sur la vidéo. Pour vous montrer l'expérience des apprenants, je veux quand même que vous fassiez ce travail vous-même. Je vais partager avec vous cette vidéo. Il s'agit d'un cours où il y a des questions illustrant ce qui se passe. Donc, je vais mettre cette vidéo pour vous dans le chat. Vous allez regarder la vidéo et puis vous allez attendre jusqu'à ce que la question soit projetée. Vous allez y répondre. Vous ne devez pas regarder toute la vidéo. Après avoir répondu à la troisième question, vous pouvez arrêter. On va vous donner 5 minutes pour explorer la vidéo. Et s'il vous plaît, si vous avez terminé, vous pouvez taper le numéro 1 dans le chat pour nous avertir.
So please click on the link I sent in the chat and try it out as a student. Okay, we would be waiting for you to type one in the chat when you are done. Veuillez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé dans le chat. Regardez la vidéo pour 5 minutes et répondez aux 3 questions. Try out that exercise. You don't have to watch the entire video, but if you can answer maybe 2 questions. Veuillez cliquer sur le lien, regardez la vidéo, répondez à 2 ou 3 questions. Si vous avez fait cela, tapez le numéro 1 dans le chat. Comme elle nous a promis, elle va nous aider comment on peut créer une vidéo comme ça. Où elle va nous apprendre comment faire. Essayons d'abord de regarder la vidéo. Mettez-nous à la place des apprenants pour voir comment ça se passe. So we have 3 minutes remaining until you try this video out. Il nous reste 3 minutes. Okay, 1 minute remaining. 1 minute, seven. 1 minute, terminé. So we have one participant who finished. Maintenant, il y a un participant qui a terminé. So anyone else? Alors que nous sommes 38, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a terminé, qui a fini? Okay, so for those who tried it, what do you think? Ceux qui ont essayé, qu'est-ce que vous en pensez? Would you use it in your courses? Est-ce que vous l'utilisiez dans votre cours en ligne? Okay. Sounds good. Okay, so c'est bon. I can see in the chat that some of you like it. That je peux voir dans le chat qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont aimé. Et c'est bien ça. Nous allons continuer.
plus tard. Alors, cet exemple va vous aider à maîtriser les étapes et plus tard, vous allez créer cela dans vos propres cours. Rana? Yes. Rana? Yeah? Eliane seems to say that she has a question. I don't know whether Eliane, you want to ask something because she's the case study presenter. Okay, so just okay, so the instructor will know exactly who attempted this lecture. Yes, you will get a report. When did they access it? How long did they complete the lecture? Okay, donc on va poser la question à quel moment ou combien de fois, disons, ça vous a mis combien de temps à terminer? Rana, vous pouvez donc continuer, s'il vous plaît. Afin de créer cette activité, il faut utiliser une des façons, soit en passant par le site web HC5P, ou idéalement, c'est très facile de créer cela à partir de votre page Moodle en cliquant dessus, cliquant sur H5P et puis ouvrir là-dessus. Et puis, vous allez donc identifier votre contenu interactif. Mais pour cette formation, je voudrais vous guider. Vous allez utiliser le site web 5P. Donc, ça, c'est très similaire à ce que vous allez faire après, parce que c'est exactement la même chose. Afin d'en créer un compte, je vais vous demander à ouvrir le site web H5P en cliquant sur www. Ou bien, je vais copier-coller ce site et vous allez donc cliquer dessus pour commencer à créer votre propre vidéo interactive. Voilà, je viens donc de coller le lien. Vous pouvez cliquer dessus. Et je vais donc coller aussi les étapes pour que je continue à vous expliquer. Donc, je suis à la page. Il faut que tout le monde soit à cette même page. Il faut, donc, c'est un essai gratuit. Donc, vous mettez votre nom. Il faut mettre votre nom là-dedans. Donc, prénom et puis votre nom. Il faut entrer votre adresse mail là-dedans parce que ça vous sera utile plus tard. Et puis, le nom du site. Vous pouvez taper votre nom comme ça, ça peut être partagé. Et puis, vous ajoutez test pour désigner que en fait, vous êtes en train de faire un essai. Donc, si vous avez mis votre nom et puis test, cliquez là-dedans. Il ne faut pas écrire là, ça va se transférer automatiquement. Et là, il faut cliquer sur... ce que vous utilisez dans votre université au niveau de LMS, il faut cliquer sur le bouton en disant que je ne suis pas un robot, j'ai cliqué là-dessus, que j'ai lu et j'accepte ces données, c'est pour laisser. Une fois vous avez cliqué, il va y avoir un message technique en disant que nous vous avons envoyé un email sur votre email. Donc là, il faut donc maintenant aller sur votre email et cliquer sur le message qui vous a été envoyé pour activer votre compte. L'email peut être reçu dans l'email principal ou dans les spams, quoi. Donc, assurez-vous que vous cliquez sur le bon. Donc maintenant, vous cliquez sur login avec votre mot de passe et puis adresse personnelle. Et maintenant,
vous pouvez avoir accès au site de H5P en utilisant votre propre nom. Il faut avoir une page qui ressemble à celle-ci. If anyone has any questions or has any... Si vous avez des questions ou vous avez des problèmes afin de créer ce site, il faut nous dire. Si vous avez terminé, vous tapez le chiffre 2 dans le chat. Si vous avez terminé. Si vous avez des problèmes, signalez-le ou signalez-les. Comme ça, Rana va vous répondre. Et donc, pour ce faire, il faudra donc pas mettre 5 minutes à vos étudiants de créer ce compte. Penina en URL, il faut remplir toutes les informations nécessaire. Donc, le nom, le prénom, le nom, l'adresse mail, le site, le nom du site, ça, vous pouvez utiliser votre. Et ici, vous cliquez, vous tapez rien et ça va donc créer le site automatiquement. Donc, après, et donc, ça va reprendre votre propre nom, vous ajoutez rien là-dessus. Consolata, je vais coller le lien encore ici dans le chat. Voilà. Je vais cliquer dessus. Donc. Il y a Alex qui dit qu'il nous a rejoint tardivement, donc il n'est pas sûr s'il peut vraiment nous rattraper. Alex, donc vous pouvez simplement cliquer sur le site, sur le lien du site, et vous allez nous rattraper, ne vous inquiétez pas. So guys, was anyone able to create the account? Est-ce que quelqu'un a pu créer un compte, avoir accès? Si vous l'avez fait, il faut cliquer 2 dans le chat. Tapez 2 dans le chat pour démontrer que vous avez réussi. Okay, thank you for all for those Merci of you. Pour ceux qui m'ont répondu. Pour le reste, je vous encourage à créer votre compte pour essayer ces choses vous-même. So we will wait for another 2 minutes. Donc on attend pour 2 minutes supplémentaires.
Alex, in the site name. Alex, dans le nom du site, vous pouvez ajouter votre propre nom. Vous pouvez dire Alex. Et dans URL, vous cliquez tout simplement, ça va transférer ce que vous aurez mis dans l'espace nom du site automatiquement. So what do we put in the URL? Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'URL? Là, vous ne mettez rien. Vous cliquez simplement dans l'espace et ça va transférer ce que vous aurez écrit dans le nom du site. Vous ne tapez rien et puis vous allez au niveau de LMS et vous sélectionnez ce que vous aimeriez. Et ça me ramène à URL. Esperanza, est-ce que vous pouvez partager votre écran, Esperanza? Est-ce que vous pouvez partager votre écran pour qu'on puisse vous aider? I'm using a smartphone, so. Ah, j'utilise mon téléphone smart, mon smartphone. Qu'est-ce que vous avez écrit dans le nom du site? Ah, je n'ai rien écrit. Je n'ai rien écrit. Et j'ai cliqué sur... je n'ai rien vu. Je n'ai pas... OK, all right. Maybe it has accepted. Let me check again. Ah, là, je vais revérifier. Peut-être ça a réussi. OK. So I think we will move on just for the sake of time. Donc, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va avancer. Je vais repartager mon écran pour observer ce qui se passe. Alors, nous allons créer la vidéo que vous venez juste d'essayer. Je vais sur l'écran H5P pour que l'on suive ensemble. Vous avez une fenêtre comme celle-là. Il faut créer le contenu. Donc, si vous voulez ajouter du contenu, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur donc là où il y a Add Content, ajouter du contenu en haut à droite. Et ça va ouvrir donc cette fenêtre de H5P. Vous pouvez voir cet écran chez vous? Si vous pouvez voir cet écran, vous pouvez taper oui. Dans le chat. Oh, yes. Et ce peuvent montrer toutes sortes d'activités disponibles que vous pouvez utiliser, créer. Pour notre exemple, nous allons sélectionner la vidéo interactive. Donc là, vous allez taper interactive, vidéo interactive, et vous allez donc cliquer là-dessus. Il y a donc une petite icône avec une petite main. Vous cliquez là-dessus. Une fois cliqué, la première chose que vous allez voir, c'est... Il y a deux boutons, donc le vert, c'est pour tout ce qui est devoir. Et on vous montre un exemple pour vous montrer à quoi ressemble l'activité. On va donc sauter cette partie-là. Il faut donc créer notre compte d'activité. Dans notre cas, nous allons créer un thème sur le rôle de la comptabilité
Donc, c'est ça le thème sur lequel on va travailler, le rôle de la comptabilité ou le cours que vous allez créer. Le rôle donc de la comptabilité. Et puis, pour créer des questions, il y a trois petites étapes très faciles. Les premières étapes, télécharger la vidéo, trois, ajouter des interactions et trois, ajouter des interactions et puis et la tâche résumée. Première, donc il faut, donc s'il y a des vidéos existantes sur YouTube que vous voudrez utiliser pour vos étudiants. Pour notre exemple, je vais utiliser donc un cours existant. Je vais donc coller ce lien dans le chat, cliquer là-dessus. Donc, c'est un lien YouTube, copier ce lien du chat et puis coller cela une fois. Donc, il faut, là où il y a clic vidéo, cliquer sur le signe, l'addition. Vous pouvez donc télécharger et vous pouvez donc vous allez coller votre lien YouTube et puis il faut cliquer sur insérer. So you all inserted the video? Donc vous avez tous inséré la vidéo YouTube, est-ce qu'on est peut-être, ouais, si vous avez inséré la vidéo, vous pouvez taper le chiffre 3 dans le chat. Donc, où est-ce que vous cliquez pour insérer le lien? Où est-ce que vous cliquez pour insérer le lien? Donc, si vous avez inséré, donc, donc, là où il y a ajouté une vidéo, vous cliquez là-dessus et puis vous allez coller dans l'espace le lien YouTube. Et comme ça, la vidéo va se montrer dans cette petite icône. Donc, nous avons déjà inséré la vidéo. Maintenant, il faut ajouter des questions. Donc, il faut cliquer sur la deuxième étape. Mais pour ajouter des interactions. Et il va y avoir une nouvelle interface pour montrer la vidéo. Il y a plusieurs fenêtres au-dessus. Et vous allez voir des carrés, des petites fenêtres. Cela a donc que représente les différents types de questions. Donc, il faut passer votre souris, vous pouvez ajouter des tableaux, des images, vous pouvez ajouter des questions à choix multiples, vraies ou fausses, des questions à trous, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs options là-dessus. Pour le but de notre leçon, nous allons donc ajouter là où il y a une question qui n'est pas à choix multiple. Donc, vous allez jouer la vidéo et puis vous allez taper sur la minute. Par exemple, si vous voudrez insérer ma question sur la 22e minute, vous cliquez là-dessus. Et voilà, parce que je voudrais que les étudiants comprennent ce que c'est la comptabilité. Vous allez donc cliquer sur pause à la 57e seconde et vous allez donc sélectionner la 7e boîte là et vous allez cliquer là-dessus. Donc, il faut cliquer sur le bouton numéro 7, là où il y a des questions qui ne sont pas choix multiples. Là, on va vous montrer donc la liste des questions. Est-ce qu'on est tous là?
Si vous êtes là, il faut taper 4 dans le chat si vous y êtes. Si vous êtes à cette page-là, il faut taper 4. Dans le chiffre 4 dans le chat. So again, to add the question, pour ajouter des questions, vous allez cliquer sur septième question, septième case. Vous allez donc défiler et vous allez voir que cela indique à la seconde prête où la question va s'insérer. Donc là, vous tapez 0,57 secondes. Et pour cette question, va disparaître à cette heure-là. Il y a aussi un bouton pause ou arrêt. Donc, avant de procéder, c'est recommandé sur pause pour que les étudiants puissent à répondre à la question. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Et puis aussi, il faut identifier, il y a un bouton. Ça veut dire que la question va apparaître comme un petit bouton et que les étudiants vont cliquer. Ou bien, il va y avoir un poster et que les étudiants, donc on va cliquer sur poster. Donc, il faut défiler plus haut et il y a une liste donc, de questions là. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez ou je peux ajouter ou je peux moi ajouter ce que je veux. Copier-coller donc la question. Donc, la question on va ajouter, c'est quels sont sur la question. Il faut cliquer dans cette case-là. Quelles sont certaines des utilisations de la comptabilité. Alors, pour ajouter des réponses, les options de réponse, vous pouvez ajouter en bas. Donc, la première option est l'option correcte. Donc, on va donc mettre la première décision, en fait, la première option, la prise de décision ou aussi s'occuper donc des livres. Ce n'est pas la bonne réponse, la gestion des employés. Si vous voulez ajouter davantage de réponses ou de questions, vous cliquez et puis vous ajoutez. Mais pour l'instant, on va ajouter une seule question. Est-ce que tout le monde a ajouter, est-ce que tout le monde a ajouté, est-ce que vous avez tous ajouté une question? Vous tapez 5 dans le chat, dans la fenêtre de la communication, vous mettez 5 si vous avez donc atteint ce niveau-là. Donc vous tapez la question et là où on met les réponses, la première sera la réponse correcte. Donc là, vous défilez plus bas, plus haut, et puis vous aurez donc une section valeur feedback. Donc c'est le feedback général. Il y a donc pour montrer, pour permettre d'avoir le feedback des apprenants. Donc vous allez
cliquez sur Add Range, ce qui va ouvrir ces deux fenêtres. Donc 0% et là vous ajoutez. Si par exemple, si ma question c'est 0 à 50, donc si la personne a eu entre 0 et 50%, ils vont avoir un feedback en disant du bon travail, mais il faut revisionner la vidéo. Ça veut dire qu'ils n'ont pas répondu à toutes les questions. Et pour la deuxième catégorie, 51 à 100%, je vais dire, voilà, c'est génial ce que vous avez fait. Donc, cela vous donne un peu de motivation, permet à donner de la motivation aux apprenants. Donc, tout en apprenant, tout en regardant à cette vidéo. Et puis, défiler plus haut, il y a aussi une section qui parle de comportement. Vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a plusieurs paramètres, par exemple, auto-continu, et puis le temps qui s'est écoulé, que ça va fermer. Automatiquement, vous pouvez donc cliquer sur les effets de son. Si vous voudrez que l'étudiant voudrait répondre, vous pouvez choisir de leur montrer la bonne réponse. Vous pouvez insérer des pourcentages. Et donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour l'instant, vous pouvez laisser cette partie telle qu'elle est. Si vous défilez plus haut, il y a une section qui s'appelle adaptivité. Cette fonction permet aux apprenants de continuer avec la vidéo ou bien si la question n'est pas bien répondue, refaire cette question. Par exemple, s'il y a une mauvaise réponse, vous allez cliquer sur action on wrong. Donc là, vous allez dire je cherche A et à 57e seconde, ils peuvent revenir par exemple à la seconde 27 pour revisionner cette partie-là pour trouver la bonne réponse. Et sur adaptivité, cliquez sur action longue et puis vous mettez 0 point, vous mettez point 27, ça indique 27 minutes. Si nous sommes tous là à cette fenêtre, il faut taper 6 dans le chat si vous êtes là. Okay. Now, you scroll all the way upwards. Donc, il faut défiler plus bas jusqu'au début, non? Oui, vous cliquez sur Done. Ça veut dire que vous avez terminé. Ou bien, juste en bas du tableau, il y a aussi un autre bouton qui veut dire done, ça veut dire que vous avez terminé et là vous allez avoir cette case là sur ce que vous avez fait et cette vidéo apparaît, donc vous pouvez cliquer sur la boîte de questions et lorsque vous avez cliqué dessus, il y a des petits carrés. Vous pouvez cliquer sur ça et puis vous allez donc élargir la taille des questions sur l'écran. Et ça, c'est mieux pour la visibilité des apprenants. En même temps, vous allez voir un petit carreau qui indique qu'il y a une question par là. OK. So in the same manner, you can add
de la même manière, vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez sur les différentes parties de la vidéo. Et donc, vous pouvez ajouter une question de différents types. Il y a une partie où vous avez cliqué sur Done, et là, je suis perdu là, quand vous avez cliqué sur Done. Donc, il faut revenir là où on a cliqué sur Done, ça veut dire terminer. Quand je clique Done, il y a des petits carreaux. Je pense que j'ai raté cela. Donc, vous cliquez sur la case des questions sur l'écran. Vous cliquez dessus et vous allez avoir des petites... Vous allez voir la vidéo avec cette petite case. Où est-ce que vous cliquez? Ok, je reviens en arrière. Nous, vous êtes ici. Vous avez ajouté la question et vous avez cliqué sur Done. Fait. Donc, il y a une petite case qui va apparaître. Ah, pour moi, est-ce que vous avez ajouté le contenu à vos questions? Est-ce que vous avez écrit quelque chose dans l'espace questions? Ah, peut-être le mien est un peu différent parce que quand je clique sur Dan, peut-être est-ce qu'on peut lui demander de partager son écran? Il y a une question, Rena. Il faut revenir en arrière juste avant. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui pose la même question. Où est la case donc de questions? D'où sort cette case? Okay, so when you add the question, you add quand vous ajoutez les questions, vous les ajoutez les textes des questions là, et puis vous ajoutez des choix, et puis vous allez cliquer sur. Peut-être un volontaire peut partager son écran. Si vous pouvez le faire, quelqu'un peut partager son écran pour nous montrer ce qu'ils ont fait, les gens qui ont réussi. Et là, quand vous cliquez sur Dan, la vidéo va apparaître. Il y a un petit caron, il y a un petit cercle qui va apparaître. Et c'est là où vous cliquez et vous allez avoir la petite case. Est-ce que vous avez cliqué là-dessus? Il y a quelqu'un qui dit ça serait ça. Ok. Great. So Penina, click on this little circle and the question box will appear then. La boîte de questions va apparaître. Cliquez sur la boîte finie. Alors, si vous cliquez sur le cercle, la boîte va apparaître. Et si vous cliquez sur la boîte de questions, vous allez voir une petite carré dans la marge. Cliquez sur l'une des carrés et tirez. Ça ne fait rien, ça va simplement vous aider à grandir la taille de question. OK. Ça va? Great. So now we move that. Et maintenant, pareillement, vous pouvez ajouter autant de questions que possible. Vous pouvez ajouter, continuer comme ça. Mais cette fois, nous n'allons pas ajouter de questions. Mais nous avons ajouté la vidéo. Après, nous avons ajouté des questions. Étape 3, si vous cliquez sur l'étape 3, c'est l'étape finale. Et ça, c'est la tâche résumée et qui apparaît à la fin. Donc, vous pouvez créer quelque chose de plus pour résumer le cours. Vous pouvez le laisser vide ou vous pouvez ajouter des questions et réponses. D'habitude, on n'ajoute pas des tâches résumées, mais plutôt on clique sur le bouton à droite
So if you click on the name on the upper right corner of the screen, enregistrer, et vous allez avoir prévu de votre vidéo avec les questions que vous avez ajoutées et ainsi de suite. Donc, vous pouvez cliquer sur la vidéo et si vous cliquez sur jouer, vous pouvez voir comment la vidéo va jouer. Mais vous pouvez ajouter beaucoup de questions, comme je vous ai dit, mais dans notre cas, celle-là est la dernière. Et si la réponse est fausse, on va me faire retourner en arrière. Mais si la réponse est correcte, je vais continuer. J'espère que tout le monde a bien suivi jusqu'ici. Veuillez taper 7 dans le chat si vous suivez très bien. Ok, parfait. Parfait. Et maintenant, nous voulons publier cette vidéo pour la partager avec nos apprenants. Donc, pour publier la vidéo, cliquez à droite, en haut de votre écran, il y a une carré avec 3 points. Cliquez sur cette carré et choisissez, faites le choix publier. Donc, sur le contenu, il y a une carré avec 3 points. Cliquez sur le mot publier. Vous allez avoir cette information. Vous pouvez garder sur publier, mais vous pouvez également protéger la vidéo. Ça pourrait ne pas marcher, mais vous pouvez choisir, faire le choix populaire. C'est seulement après l'avoir partagé avec quelqu'un que ça va apparaître. Donc, après, vous aurez le lien. Et si vous cliquez le lien, sur le lien, vous allez trouver. Et puis, là, vous allez cliquer sur « Mise à jour ». Et maintenant, après avoir copié ce lien, si vous ouvrez notre volet, vous pouvez voir, bien visionner votre cours. Vous pouvez ajouter ce lien dans les ressources et ainsi de suite. Et voilà comment les étudiants vont pouvoir visionner le cours. Vous pouvez ajouter cette activité à la masse en cliquant sur le bouton sous la vidéo avec H5P. Et à côté, il y a un autre bouton, réutilisation. Vous cliquez sur ce bouton, ça va vous permettre de télécharger la vidéo. Et puis, Moodle, vous pouvez demander, on va vous aider à télécharger cette vidéo. Ou bien la mettre à la bonne place ou bien la publier. Et puis, avant, nous avons dit que l'enseignant peut bien voir si les apprenants ont terminé les activités. Donc, vous pouvez cliquer là pour voir combien d'apprenants ont terminé leur exercice, à quel moment, combien ils ont eu en cas de notes. Donc, vous pouvez suivre leur performance. Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas jusqu'à ce point-là, Lorena? Après avoir cliqué sur publier, vous allez au coin gauche et cliquez sur le bouton. Rapport.
Vous avez copié le lien et vous l'avez collé ailleurs, quelque part. Ah, okay. I get it now. Let me paste oui, it in. Je comprends. Oui, je me suis trompé quelque part. Merci. Okay. And, remember, we said that rappelez-vous, nous avons dit qu'il pourrait, il se peut que certains d'entre vous ont H5P dans votre meuble. Donc, si vous choisissez de créer H5P en cliquant sur l'activité ou ressources et vous ajoutez H5P, et vous créez une activité à partir de Moodle, automatiquement H5P activité va figurer. Donc, si vous choisissez de créer cette activité, évidemment, que cela va se voir. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que vous pouvez avoir la vidéo, la partager avec vos apprenants. Si vous voulez créer plus de contenu, vous cliquez là-bas et choisissez le contenant différent. Et après l'atelier, vous pouvez manipuler plusieurs types d'activités et en créer beaucoup pour faire interagir vos apprenants. Voilà, c'est ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et d'avoir essayé les exercices vous-même. Si vous avez des questions, veuillez me consulter par email ou bien passer par les organisateurs de la conférence. Merci beaucoup. Je vais y répondre. Merci beaucoup, Rona, de cette présentation intéressante et moi-même, j'essaie d'explorer H5P, mais maintenant, j'apprécie très bien ce qu'il peut faire, cet outil. Merci beaucoup. Chers collègues, nous avons quelques minutes pour répondre à certains problèmes, certaines questions, ou bien là où vous voulez la clarification, nous avons quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question et qui aimerait ajouter quelque chose? Yes, Richard. Yes. Before... Oui, Richard. Avant de donner la parole à Martine, il y a quelques questions dans le chat, commentaires. J'ai quelques... Ici, il y a quelqu'un qui a demandé si l'enregistrement... sera partagé. Nous avons répondu oui, nous allons partager l'enregistrement sur toutes les plateformes. Donc, veuillez nous donner votre numéro WhatsApp. Nous allons partager l'enregistrement avec vous. There is a hand up. À vous, Richard. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je tiens à rappeler les collègues, après vous êtes inscrit, vous pouvez mettre vous pouvez indiquer vos numéros de téléphone, comme ça nous allons vous ajouter sur le groupe WhatsApp. Je vais partager les détails dans le chat. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, Martin, vous avez la parole. Thank you, Richard. Merci beaucoup, Richard, de m'avoir accordé la parole. Je voudrais remercier l'expert pour cette bonne présentation. I just wanted to say. Teaser de plus en plus utilisé. Et il est vraiment important que l'on le maîtrise véritablement. Je vais donc donner quelques avantages de H5P. H5P, il est situé sur le cloud. Chacun peut se connecter, créer des exercices, une batterie d'exercices. Il peut donc créer des exercices. Il peut les
il peut les modifier, il peut les enrichir, on peut les intégrer très facilement dans Moodle. Il a une grande variété de types d'exercices. Il est utilisé par une très grande communauté d'utilisateurs. Et ça fait que chaque fois qu'on veut l'utiliser, on peut s'appuyer sur un exercice fait par un autre utilisateur. Juste le modifier et l'adapter à son contexte. Oui, H5P également peut être intégré à beaucoup de learning management systems. Bien, je vais terminer par quelques limites. C'est un outil qui évolue beaucoup. Il est plus adapté à des évaluations plutôt formatives que sommatives. Mais il a également une très grande force, c'est qu'il est très ludique. Oui, parce qu'on apprend en jouant un peu avec H5P. Et pour les débutants, il faut qu'ils s'appliquent beaucoup au début. Merci beaucoup. Thank you so much, Manny, for that addition. Merci beaucoup pour cet ajout. Vous avez enrichi la présentation. Vous avez ajouté parce que quelque chose à laquelle nous n'avions pas réfléchi. Merci des avantages. Merci de nous avoir dit que c'est abordable, tout ce que vous venez de dire. Christine, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, en français par exemple, auxquelles Rona peut répondre? Rona? Et si vous avez un commentaire sur ce que Germanique vient de dire, et peut-être les questions que vous avez dans le chat, vous pouvez y répondre. Nous avons une question. Si H5P n'est pas intégré dans votre Moodle, vous pouvez demander au responsable de l'informatique à votre université de vous donner l'assistance. Et il y a une demande si les étudiants peuvent travailler avec la vidéo en même temps. Oui, c'est possible. On peut tout faire en même temps. Eliane a posé une autre question. Si les étudiants peuvent utiliser la vidéo H5P dans la classe, évidemment, la réponse est oui, mais vous devez demander aux questions. Ça dépend, par exemple, si vous avez 10 minutes, vous pouvez leur donner le devoir, vous pouvez leur demander d'aller travailler dans la vidéo. Voilà les questions que j'ai trouvées dans le chat. Merci beaucoup, Rana. Chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres questions? Au moins, nous avons encore 2 minutes pour y répondre. 2 minutes avant la conclusion de cette session, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur H5P? Avant de clore la session, je vais demander à Eliane de donner des remarques. On nous montrera si sa question dans l'étude de cas, on a répondu à sa question, ou bien toute information qu'elle aimerait et qu'elle explore. Et peut-être Eliane aussi, si ses préoccupations ont été abordées, vous pouvez même
appliquer l'outil, s'il vous plaît, mais nous sommes là pour vous accorder l'assistance nécessaire. Eliane, vous pouvez nous donner votre dernier commentaire si on a répondu à votre question, à vos préoccupations. Merci, Richard. Avec cet outil, on a vraiment répondu à mes préoccupations. Et comme le disait Martin tout à l'heure, c'est un bon outil pour les évaluations formatives. Et je pense que c'est ce type d'évaluation qu'on ne trouve pas beaucoup dans les formations en ligne. Vous pouvez voir une formation où l'étudiant suit le cours à des ressources et n'a qu'une seule évaluation à la fin. Et il me semble qu'avec un outil comme HCMP, on peut multiplier les évaluations et comme Rana le disait pendant les classes virtuelles, en asynchrone, bref, on donne vraiment l'occasion à l'étudiant à travers toutes ces questions qui balaient tout le cours, de se réapproprier le cours. Je pense que c'est un bon outil pour les évaluations formatives, vraiment. Thank you so much, Eliane, for that. Thank you for the very, very well conceptualized case. Merci, Eliane. Je crois que c'était un cas qui était très bien conceptualisé. Et maintenant, Rana, veuillez donner vos remarques finales. Quelles sont les apprises et s'il y a d'autres questions dans le chat auxquelles on n'a pas encore répondu. S'il y en a, vous avez une demi-minute pour y répondre. Pour faire cela, merci. Pour répondre à la question de Sarah, si nous pouvons évaluer les apprenants à la fin, oui, mais c'est bien recommandé comme évaluation sommative, non pas seulement ici. Pour conclure, nous savons que la plupart des temps, on n'a pas suffisamment de temps pour créer les activités interactives, mais la recommandation à la fin de cette session est que d'encourager tout le monde de se servir de ces outils. Il faut créer des sessions de 5 minutes et à la fin de chaque session, vous pouvez donner ces questions parce que le contenu que vous exposez en ligne ne va pas bien fonctionner. Et maintenant, comme vous savez, les apprenants peuvent trouver même les examens en ligne. Donc, il faut interagir avec les apprenants tant que possible. Ils continuent le contenu qui les permet d'interagir. Merci, Rana. Évidemment, nous allons vous inviter encore une fois parce qu'il y a beaucoup d'autres outils que nous devons connaître. H5P, encore beaucoup d'autres. Acceptez. Et si on vous invite de venir partager avec la communauté, nous serons très, très heureux, honorés également de vous avoir. Moi, personnellement, je ne savais rien à propos de cet outil. Rana m'a donné quelques cours supplémentaires. Nous vous remercions beaucoup de votre temps. Merci, chers collègues. Merci. Eliane, pour votre exposé, merci d'avoir préparé cela. Nous allons encore vous inviter. Chers collègues, si vous intéressez à participer à ces sessions, veuillez nous le dire. Nous sommes prêts à travailler avec vous. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager avec vous à partir du simple vers le complexe. Merci, chers participants. Et maintenant, je vais passer la parole à Christine. Qui va conclure. Christine, merci. Mesdames et messieurs, vous êtes d'accord avec moi que nous avons eu une session interactive et enrichissante. Merci Rana, merci Eliane, merci à tous les participants. Cette session était impeccable. À ce moment, je voudrais nous rappeler que vous devez participer à l'évaluation. Il y a un lien qui vous a été posté dans le chat. Ça va rester ouvert jusqu'à demain.
Veuillez copier le lien et participer à l'évaluation plus tard si vous n'avez pas le temps. Cela va vous aider à demander le certificat, mais ça va également nous aider à avoir le feedback, le retour de votre part, mais aussi sur d'autres sujets que vous aimeriez que nous partagions. Pour ajouter à ce que Richard vient de dire, il y a beaucoup d'autres outils que nous n'avons pas encore partagés, manipulés, explorés, que nous planifions à partager avec vous. Et si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui vont bénéficier de ces discussions, veuillez les inviter. Mais plus important encore, nous voulons vous demander de partager tout ce que vous apprenez ici avec vos collègues au niveau du département, avec vos collègues, les étudiants, si vous êtes étudiant, et s'il y a d'autres choses spécifiques que vous aimeriez que nous expositions ici, veuillez nous le dire également. Nous voulons également vous dire que notre session suivante va avoir lieu le mois prochain, le 25 mai. Mais nous allons vous écrire par courriel pour vous tenir au courant. Christine, je m'excuse de vous avoir interrompu. Je voulais simplement vous compléter. Vous avez dit que Martin Miamani a accepté d'être notre expert de contenu la prochaine fois. Merci, Martin. Merci beaucoup. Alors, nous allons également avoir Rana et Eliana. Alors que nous continuons, alors soyez optimistes d'écouter d'elle. Mais c'est également très important d'avoir le retour de feedback de votre part. Comment ces cours, ces ateliers, ces exposés, ces interventions, ces présentations ont impacté votre vie. C'est très important de nous tenir au courant. Il y a un problème avec le réseau de Christine, je ne sais pas. Je vais revenir vers vous. Et si vous n'êtes pas sur les plateformes, si vous n'êtes pas sur nos plateformes, sur notre WhatsApp, parce que cette communauté a une plateforme, nous avons la liste des emails. Veuillez m'envoyer un message, un courriel. Je vais vous poster mon adresse email et nous allons vous ajouter sur le groupe WhatsApp et vous allez bien bénéficier. Finalement, nous allons partager cet enregistrement en français et en anglais. Alors, vous pouvez refaire les exercices que Rihanna nous a donnés. Merci beaucoup, chers collègues. Ça a été très enrichissant. Permettez que je m'arrête ici. S'il y a des commentaires finaux et des questions, veuillez vous exprimer parce que nous avons quelques minutes avant de terminer la session. Merci beaucoup. Il y a quelques questions dans le chat. Peut-être les interprètes peuvent nous aider à traduire. Mais pour les liens, pas de souci, nous allons les mettre sur notre groupe WhatsApp. Mais je vais demander aux interprètes de nous aider à traduire les commentaires, ou bien notre équipe qui fait la traduction. Je vois qu'il y a les commentaires d'Eliane, il y a le commentaire de Koued. Équipe de traduction, veuillez nous aider à traduire ces commentaires par les interprètes. Pas les interprètes. Je vais essayer de les traduire moi-même et après je vous donnerai le feedback. Et s'il y a un francophone sur parmi nous, il peut également nous aider à faire la traduction. Est-ce que vous avez pu, Christine? Il y a quelqu'un qui dit qu'il est enthousiaste pour écouter Martin le 25. Il s'agit de commentaires, nous allons les traduire, les partager avec vous sur le groupe WhatsApp. Merci. Au revoir. Au revoir.
It has been nice. Au revoir. Thank you. Thank you all. C'était un grand plaisir. Merci, au revoir. Merci, Martin. It was a pleasure. Thank you. Okay.